salle de cette énergie humaine là qui est en train de faire des choses cheloues. D'accord. Faire une petite séance, je vais essayer de voir si je vais encore faire des tractions et tout. Et je vais le suivre après sur les dips. Si je vais encore faire des dips. Lui apprendre un peu à. Allez, il va m'apprendre la force. Faire des dips. À faire des dips comme des hommes. J'ai de la chance d'être avec un recordman. Voilà, j'ai de la chance d'être avec le boss. Donc on va se splitter un peu au début. Je vais partir sur les tractions, il va partir sur les squats. Je viendrai le filmer un petit peu, voir ses petits squats d'enfant. Et après, on. Voilà. Bah ouais, je vais tout faire, je sais tout ce que tu m'as montré. Tu vois, c'est classique, hein. Hein? C'est classique. Ouais, ouais, bah t'as pris une grosse bombe. Faut mettre de l'intention. Ouais, moi j'en prends une petite. Là, qu'est-ce qu'on va voir? Déjà, tu vas te reculer, tu vas arrêter de fumer d'aussi près. On coupera ça au montage. Parce que non, là, je m'échauffe. YouTube, là, je m'échauffe, j'ai du tempo en 3-0-0. Je suis bien, bien nul à ça. Okay. Donc voilà, on travaille un peu. Une charge assez conséquente. Hein. Tu peux voir. L'échauffement, on va monter un peu plus lourd, mais quand même pas très lourd. D'accord. Admirez le boulot. Sans ceinture. 170, ça dégaine sans ceinture. Bon, quand même, ce que je vois, t'as du mal avec tes bandes de poignets. Hein. Elles sont super longues. T'es obligé de faire 40 tours, je dépêche. Sans équipement. Il y a 20 000 qui met ses bandes de poignets. Alors, impression. Ça va, je me trouve comment? Très bien. J'ai trouvé que c'était pas si mal. C'était par rapport bien. À d'habitude, j'ai pas eu trop mal au dos. Parce que je filmais. C'est parce que je te donne un peu d'énergie. L'énergie du soleil. Non, je suis surpris parce que j'ai moins galéré que d'habitude. Du coup, ça va hors prog. Là, je sens que ça va hors prog. Là, ça va hors prog.
Moi, ouais. Je fais 25. Ouais, tu fais 50, 75, 125, 150. Ouais, ouais. Après 175 et après. Un peu des warm-up pour faire du volume, tu commences à pas en faire trop, tu vois. 70, ça va me changer trop. C'est du vrai? Ouais. C'est quoi, c'est un bonnet D ça? Ça, c'est bonnet D, 85. Pas besoin, tu t'équipes pas toi. Ouais, je me sens tout nu. C'est pas mal. Pourquoi je l'ai créé? Pour pouvoir m'entraîner dans un bon environnement. En fait, tu l'as fait pour toi. Exactement. Pour moi, si j'avais pu faire home gym, j'aurais fait home gym. Non, c'est moi, je suis de Lyon et je voulais m'entraîner sur du bon matériel et tout. Et dans la région lyonnaise, on n'avait pas de salle comme ça. Ouais. Enfin, si, il y a une salle qui s'appelle l'Altero Club Lyonnais. Ouais. Mais c'est plus du power, donc il n'y a pas le matos de street lifting. Mm-hmm. Et c'est pas une salle pour le grand public. Tu peux pas. Tu prenais pas beaucoup d'adhérents et tout. Ah, c'est vraiment élitiste. C'était plus élitiste, plus pour les compétiteurs de FA, du coup il n'y a pas tout le monde qui peut venir s'entraîner là-bas. Alors ce qui est normal aussi, puisqu'ils n'ont pas beaucoup de place. Vous êtes ouvert à tout le monde? Nous, on est ouvert à tout le monde, c'est une salle commerciale. Et du coup, bah, on voulait proposer ça dans le secteur, dans la région lyonnaise, pour les power et aussi les street up, parce qu'il y a très peu de salles, même de manière générale en France, qui sont équipées en street. Maintenant, de plus en plus, avec les stations réglables et tout. Okay. Et du coup, on voulait proposer ça sur Lyon. Par exemple, la station de Dips, que tu ne retrouves pas beaucoup. Ouais. RBC. Et puis voilà, pour aussi mettre moi dans. C'est pas que pour moi, je peux ouvrir une salle que pour moi, mais pour me mettre dans des bonnes conditions pour les compétitions, pour performer dans un bon environnement, avec des potes, avec une bonne ambiance. Donc voilà, si vous voulez venir tester, en tout cas, c'est quoi l'adresse? Saint-Priest, 155, route de Grenoble à Saint-Priest, c'est à côté de Lyon, à 10 minutes en voiture de Lyon. Ok. Donc. Avec plaisir pour les streeteux qui veulent venir essayer, enfin, et les power aussi, mais on a beaucoup de power et pas beaucoup de streeteux, donc j'invite les streeteux à venir s'ils veulent tester le petit matériel calibré et tout, et à l'approche des compétitions, ça peut être intéressant. Ouais, venir faire un stage à Lyon et tout, et se faire devenir. Exactement. Il sera à même et très ravi de vous accueillir. En tout cas, moi, je mets 10 sur 10 sur la salle. Tout est pensé, tout est fait, tout est parfait. Le King a validé. Boum. Ah, il a même, c'est bien. Explose. Ouais, c'est mieux. C'était mieux, hein. Bah ouais. C'était mieux, là. Je me suis pas effondré. Non, c'était mieux. Juste avant de rentrer en stars. J'ai fait PP judo et après PP... Moi, c'était à J2F à l'époque. Du coup, en vrai, le max que j'ai fait, c'est 6,25. Ça dépend comment tu veux compter le poids. Si tu veux compter le gilet, tu marqueras ou pas? Le gilet, c'est du poids. Le gilet, c'est 2,3, je crois. Les gars, il sait qui? Ah mais du coup il a pris 500 cœurs, hein.
Ah ouais? Regarde Perry, il vient de faire 105 points. Attends, laisse-le, on laisse juste les yeux. Celui qui a fait 500 de total dans ma KT ? Bah, il y en a pas mal qui ont fait 500 de total. Le premier, il a fait 0. 500 ou 600 ? Bah, je sais pas. Il y en a plein qui ont fait 500. Timo, il a fait 525. 530. Bad, il a fait 525. Faut que je me fasse un peu à l'équilibre. Je sais pas. J'avais un bon squat de 93 et... En fait, faut pas jouer précipite parce que vu que c'est une nouvelle charge, je la connais pas du tout. Ouais, prends le temps pour descendre et... C'est bon, hein. Ouais, ça va, il faut bien s'équilibrer au début. Ouais, c'est attends, vraiment l'équilibre au début. Ouais, bien passé. Ça va? Allez. Ouais, solide. Allez. Boum. Oh, facile, hein. T'es même mieux que moi, hein. Bah, je crois que c'était Pizzi quelque chose. Ouais. Il l'avait avant que le mec il le fasse. C'est un mec léger qui fait des dips à 104 pour 170 alors qu'il fait 70 kg. Qui a le record, hein? Ouais. C'est un mec qui fait des planches, normalement. Je te montrerai. Ah, je crois que j'ai déjà vu. Bon, plus c'est lourd, mieux ça passe. Ah ouais? Vas-y, tu prends le... Ouais, c'est bon. Allez. Toi plus en avant, les équilibres. Boum. Allez, 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 allez. Je sais pas pourquoi j'ai posé au bord. En fait, faut que tu te concentres sur l'équilibre quand ouais, ça devient lourd. Parce que je suis parti trop tôt. Ouais. Là, faut que tu sois sûr de bien être dans ton axe. Ouais, avant de pousser avant de partir. Parce que là, vu que j'ai posé... J'ai les jambes. T'as juste fait un petit. J'ai les jambes, elles ont fait un peu. Ouais, c'est pas comme grave. Comme ça, là. T'as kippé des jambes.
Ouais. Exact, hein. Ah, un peu plus. Et à 31 8. 31 8. Bon, je vais essayer, hein. On va voir, hein. Le galon. Ah, jure. C'est grave. Non, on va changer. Bah, c'est bizarre à fixer. 31 8. Non, je pense que je peux plus là. Ah, j'ai senti, ouais, je mets, si je mets 2, 5, 5 kilos, je vais arriver sur un 1. On dirait pas. Non. Regarde la vidéo, je pense que t'as beaucoup moins remis que moi tout à l'heure. Je sais pas, gros, parce que j'ai senti que. Ouais. La baisse d'équilibre. Ouais, je pense que c'est l'équilibre. Mais attends, prends 10 secondes parce que juste faire ça, ça prend grave d'énergie avec Franck. Ah ouais. Mais vraiment, mets-toi un peu plus vers l'avant. Ouais. Vas-y. Ouais. Stabilise. Non. Ah, j'ai ça. C'est ma vraie gauche qui monte pas. En fait, tu t'es désaxé. Ouais, mais t'as vu, je me suis axé du même côté tout à l'heure. T'es où? Est-ce que je peux juste t'enlever dans le frigo juste pour ma séance? Vas-y, vas-y. Merci beaucoup. Bah attends, bah, du coup, là... Regardez ça, ça sert à rien de s'entraîner les gars, faites comme moi, partez en vacances, vous entraînez. Tu fais tout ça, tu fais tout le temps. J'ai envie de la réessayer. Tu veux la réessayer? Oui. Vas-y, je vais essayer 35 du coup pour la faille. Bah du coup, avant moi. Allez. Réagis bien en bas. Oh. Allez. Oh le bâtard. Oh putain, je suis complètement. Bon, c'est là, je peux pas. Je peux pas aller plus haut. Moi, c'est moi. Les BR à la PAG. Attends, j'ai un BR HSPU. T'as vu pour la graine? Ouais, t'as compris, ouais. Je pense que c'est comme ça que ça se passe. Je passe en train. Bah non. Bah ils le verront dans la vidéo. Ils me mettront. Allez, salut. Repousse vraiment ton équilibre au maximum vers le ciel. Mais non, bench, il est plus, c'est vrai, il est tout en latéral. Ah, c'est la même chose. Ah putain, je suis gauche, je suis 907. Je vais de la pousser ni latéral. Non. J'ai pas d'exo. Enfin, du triceps. Allez, ce que j'ai. Pour toi, ça va. Viens toi un peu là. Allez, bien dans les par là, serre les fentes. Allez, serre les bien. Équilibre vers l'avant, serre les fentes. Allez, serre. Ah, putain, il monte pas à gauche. C'était mieux que. J'étais mieux à droite, j'ai monté. Ouais, c'était beaucoup mieux là. Ouais, t'as un gros défi devant toi. C'est fou comme ça. Ah, la vidéo, peut-être qu'il y a un coup que je rentre. C'est pas en forêt, non? Ok, vas-y, me garde. Je pensais vraiment. Allez. Pousse bien sur le bras déficitaire. Allez. Allez. Ouais. Ouais, du coup, j'ai commandé pour essayer de grind un peu plus. Bon, celle-ci. Non, ouais, je ne pourrais pas. C'est de la boîte. Tu te sens comment? C'est bien tes pas. Hein?
prêt. Allez, tu fais comment? Genre tu traves et après on fait comme ça? Ouais, comme tu veux. On traves et après on fait comme ça. Si tu veux, vas-y. C'est plus joli. C'est bon? Vas-y. Vas-y. Vas-y, on fait de la... Non, merci pas, je te fais des vraies vidéos, là. Pour ça qu'un peu plus, s'il te plaît. Je fais 18 pour la vidéo. Vas-y. Que même ça, ça peut être une vidéo virale. C'est ça, que je commence à comprendre. C'est combien que tu dois faire? Moi j'ai fait 18. Ah ouais, c'est pas mal. Avec ton tempo, tu vas peut-être galérer. Tu vois la différence, hein? Hein? Tu vois la différence, hein? Oui. En fait, t'as juste besoin du numéro pour te calibrer. Ouais, mais c'est bien c'est savoir. Tout le même poids. C'est bien savoir la charge. Sur un tirage, en vrai, selon le nombre de poulies, c'est, ça veut tellement rien dire. Ouais. Si il y a des poulies, tu vas être à 5, d'autres, tu vas être à 40. Ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai. C'est de la résistance. Ouais, là c'est sérieux aussi, hein. Très très sérieux. Bon voilà, donc séance finie, c'était lourd. Merci encore de m'avoir invité. Bah non, tu m'as pas invité, c'est moi qui me suis incrusté d'ailleurs. Oh, voilà. C'est une belle incruste. Mais incruste, voilà, incrusté. Donc petite séance sympa, je t'ai suivi, j'ai essayé de te suivre. Plus ou moins en vrai. Pas ouais, vraiment, hein, t'as pas fait les squats. J'ai pas fait les squats. T'as pas fait les tractions que t'avais j'ai dit que t'allais pas faire. Pas fait les tractions. T'as pas fait les dips non plus. J'ai fait une petite montée. Petite série de dips. Mais toi, t'as fait quand même une bonne séance. T'as fait du squat tempo, après t'as fait des dips sur un 3x3 à 130. Ouais. Et après, tu m'as suivi sur. Bah, on a fait des petites. Voilà, vous verrez le résultat des HSPU. Voilà, des HSPU. Bah, mettez-nous j'ai dans la description qui. Hauteur, ouais. Bah non, mais t'as été à la hauteur. Mettez-nous bah, <du coup. rire> dans la description. Voilà, vous connaissez le jeu des commentaires hein, si vous voulez jouer. Qui a remporté la battle HSPU lesté entre le mec entraîné. Et qui a fait des dips juste avant. Et le mec désentraîné qui bah, a mangé et bu du Schweppes depuis un mois et demi. La suite. Mais sinon, super, super entraînement, sympa, fun. Puis là, on va aller manger un petit bout. Apparemment, il connaît un bon italien. Donc, j'ai hâte de voir. Je suis très dur avec la nourriture. Non, mais je rigolais pour l'italien. Ah, tu rigolais? Tu m'as dit que t'aimais pas l'italien. Je t'ai dit c'était le running gag de hier, tu vois. J'ai jamais dit ça, j'ai juste dit si que... Si t'as dit j'aime pas italien, Xavier il me saoule et tout. J'ai jamais dit ça. Ne croyez pas, hein, c'est faux. Donc en tout cas les gars, je vous redis, hein, franchement, regardez, là, la salle elle est vide. C'est vraiment une salle de qualité, faite par des passionnés. De toute façon, vous connaissez Théo, hein, c'est un malade de l'entraînement. Il note tout ce qu'il fait d'ailleurs, je sais pas si vous saviez, mais ça fait 2 ans qu'il a les datas d'exactement tout ce qu'il a fait. Même quand oui. Il fait un pas de côté pour faire son squat, il le note. Faut être perfectionniste les gars. Donc... voilà, une salle je pour les passionnés. Un partenariat avec mon application, avec FitNote. Bah, tu devrais leur demander, parce que tu l'utilises vraiment, tu vois. Ah, j'utilise vraiment. Jusqu'au bout. J'ai payé et tout, quand même. Pigeon. Du coup, n'hésitez pas à venir. Hein. Je vous refais un petit tour de la salle. Là, il fait un peu plus.
il y a un peu moins de soleil, donc on peut voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mais personnellement, si j'étais dans la région lyonnaise, je viendrais m'entraîner ici. C'est le paradis des forcés et des streetlifters, je pense. Et puis même de quelqu'un qui sait comment s'entraîner. Hein. Pas forcément besoin d'être un streetlifter ou un powerlifter pour venir s'entraîner ici. Juste un mec qui veut se la donner et qui est... Et voilà.